J'haïs ça quand je me lève pis être enragé le même, ouais. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure ici? Il est pas encore midi. Ah, je suis pas capable de dormir, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas moyen de dormir. Pas moyen de dormir, pourquoi donc? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment, pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis tout énervé. Y avait-tu le petit qui cherchait ses gants, par hasard? C'est pas le petit, c'est le notre grand niaiseux, notre grand fou. Il est accouché, il est rentré dans la chambre, puis là, il s'est bien fouillé, il est venu chercher ses maudits oui, gants. Je t'ai dit qu'il cherchait ses gants. Il était en dessous de mon oreiller, il a fouillé, il a tout... Ben ça, il prenait ses gants! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? As-tu vu que le temps qu'il fait dehors, il fait un froid de loup? C'est pas une affaire pour massacrer tout mon lit comme ça. Moi, je suis tanné. Tu te couches trop tard aussi. Je couche tard. C'est le métier qui fait ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis voleur pour faire ça plein jour. Ouais, alors. Tu comprends? Quand j'étais plus jeune, moi, je faisais des vols de banque, je faisais des hold-up, je volais des stations de gaz, des comptoirs étiquetterons, des toute la maudite patente. Ouais. Il n'y avait rien pour m'arrêter dans le temps, moi. C'était la belle époque, dans ce temps-là. Ah, la belle époque. Mon parrain connaissait Al Capone, moi. Hein, comme je te connais. Comme tu me connais, Gustave? Ben, peut-être pas aussi intimement que ça, là, mais il connaissait assez pour le saluer, oui, là. Hey, moi, dans le temps, j'ai sorti avec Bonnet, moi. Ah oui, Bonnet? Bonnet qui? Pas Bugs Bonnet, crème. Bonnet de Bonnet and Clyde. Parce que je sortais avec des cartoons, toi. J'étais tout un voleur. Le brink, c'est moi qui ai fait la job. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je faisais ça vite en crème. La police avait la police. Génie! Dans j'ai le temps, manier, moi, il parlait de moi dans les journaux, il parlait de moi à la télévision, à la radio. Ben, il parlait de moi partout. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, je fais plus rien des petits vols, là, du coin des ruelles. C'est vrai que tu baisses pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu baisses. Dans le métier? Oui. 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 Mais c'est pas ça qui me déçoit. Le pire, c'est que c'est notre garçon, Colin. Notre garçon. Comment j'ai tout fait pour lui faire un bel avenir, pour qu'il soit un voleur comme moi et un tueur comme moi. Tu comprends? J'ai fait un chemin dans la vie. Il veut pas suivre, les traces de son père. J'ai l'impression que j'ai tout fait ça pour rien, cette maudite affaire-là. Il est décevant. Oh, mais là, regarde-moi là, s'il a l'air d'un innocent. Volume, il fait un chemin à coup de mitraillette, puis il pense à quoi? Il pense à devenir comme Lafleur, puis Gretzky, il pense pas se pas décourageant, puis je n'ai pas honte. J'ai honte de toi, crème. Tu veux pas jouer au hockey, pas? Ben ouais, je veux que tu t'amuses. Mais c'est pas une vie, ça, passer son temps dans un aréna pour un jeune. À ton âge, moi, j'avais déjà volé 7-8 banques. Ah, mais tout ce qui m'intéresse, passer, c'est jouer au hockey. Ben ouais, mais je te demande pas de commencer. Commence au bas de l'échelle, va voler une robe pour ta mère, ça va être sa fête, mais vite, là. Hein? Ça me tente pas, mais on aurait besoin. Ah, non, toi. Hey, moi, mon petit gars, là, ton père, là. Mm. Moi, là, oublie pas qu'ils peuvent donner 1000$ pour moi, même. 1000? Oui, il y a une récompense de 1000$ pour moi, comprends-tu? Toi, il donnerait pas 5 cents pour toi. Mm. Je me suis fait un nom, moi. Écoute ton père quand il te parle, là, mon petit gars. Mm. J'ai honte de toi, ça. Comprends-tu ça, j'ai honte? Mm. Je veux plus te voir sans accorder ton camp. Hein? Oh. Va-t'en! Mm. Va-t'en! Je peux pas comprendre que c'est mon enfant. Qui c'est qui a fait ça, cet enfant-là? Ben, c'est... Hein? Où c'est que j'avais la tête quand j'ai... La tête. Il te ressemble. Où c'est que j'étais quand j'ai fait cet enfant-là? Ben oui, ben il te ressemble aussi, va-t'en. Regarde. Va-t'en! Ça se peut-tu, ça, je le renie comme moi, là, je veux plus le voir jamais. Ça se peut pas, ça. J'ai dit qu'il me ressemble. Où ça, qu'il me ressemble? Il te ressemble. Hein? Écoute, je le sens qu'il te ressemble. Ah, tu le sens. Qu'est-ce que tu peux sentir? Y a rien de moi, cet enfant-là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Un nouvel habit de hockey au complet. Va-t'en! Vole-toi-en un habit, puis va-t'en! Ça me tente. Non. Je me suis trouvé une job, de toute façon, pour pouvoir m'en payer une. Une job, c'est-tu écœurant? Il veut travailler, ce gars-là, quand tu pourras tout avoir pour rien, t'as rien qu'à t'envoler! Va-t'en! Je te sens encore moi ton cœur, je veux plus te voir jamais! Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un garçon comme ça dans la vie, j'en ai honte! Un jour, ce gars-là, là, il va peut-être mettre un prix Nobel ou n'importe quoi! Ou c'est qu'il va avoir l'air de quoi, boy? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, maman. Ça se peut-tu, ça? Ah! Hein? Y'a personne debout! C'est lui, madame! C'est lui! Amenez-les! Mario! Quoi? Étant, je t'amène au boss. Je te félicite, mon gars. Merci. J'ai fait 1000$. On donnait 1000$ à celui qui le dénoncerait. Mario! T'as vendu ton père pour 1000$! Mais donne-moi un verre, crème! Je le savais qu'il était aussi pourri que son père! Merci!